Et bonsoir, Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien. On a décidé de faire cette émission, du coup, pour nos 2000 abonnés de Twitter. Donc, non, je rigole, évidemment, on avait déjà prévu cette émission de la faire bien avant. On va bien sûr revenir sur le derby, le match de ce week-end, donc le Sporting qui a affronté Benfica. On reviendra aussi sur le match de Braga qui a affronté Moreirense. Évidemment aussi sur le match de Porto qui a affronté Rio Ave. On parlera aussi du Mercato, un dossier spécial Mercato, notamment sur le transfert de ce Mercato au Portugal avec l'arrivée de Paulinho à Sporting et d'autres petits transferts, notamment dans le club de Lisbonne. Et ensuite, on parlera aussi on nominera le Portugais du week-end. Donc pour ces grands débats, j'ai avec moi le plaisir de qui m'accompagne toujours, Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Je tenais à dire que tu es sur une bonne semaine où tu fais des blagues vraiment pourries, comme celle que tu viens de faire au début. C'était vraiment mauvais, donc voilà, mais sinon très heureux d'être là. Est-ce que moi je t'entendais pas? Mathieu, tu m'entends? Ah, je t'entends. Ah, il a même pas... Ils ont tout entendu, c'est pas grave, on continue. Ah, bon, c'est bon alors. Mathieu, après on a donc Dani. Dani, j'espère que tu déprimes pas trop, mais comment tu vas, Mathieu, Dani? Ça va très bien. Ça va très bien. On en parlera plus tard. Et enfin, on a Kevin. Comment tu vas, Kevin? Ça va, Alex, ça va. Bonsoir à tous les auditeurs. Ça va très bien. Bah écoute, tout le monde va bien, c'est le plus important. Donc, bon voilà, grosse émission avec, je pense, pas mal de choses à dire. Donc, on va tout de suite commencer par ton club, Mathieu, Braga qui s'est imposé assez facilement contre Moreirense 4-0 avec 3 buts à la mi-temps, hein, donc un match vraiment maîtrisé de bout en bout. Mathieu, donc première question, Braga qui se place à la 3e place, est-ce que c'est pour toi la place que Braga mérite au vu de ce que propose en termes de jeu depuis le début de saison? Et ensuite, on parlera aussi du match. Oui, sur ta première question, sur ce que Braga fait depuis le début de la saison, je trouve que c'est pas immérité. Après, ce que Braga finira d'ici la fin de saison sur le podium, ça c'est un autre débat. Mais ouais, c'est pas immérité. Je trouve que je l'ai répété maintes et maintes fois dans nos émissions qu'on est l'équipe qui produit le meilleur jeu et qui, d'un point de vue collectif, sur la partie offensive, est quand même une équipe sacrément redoutable. Parce qu'hier, quand même, on n'avait pas, on en reparlera, mais donc on avait plus Paulinho et on avait plus Yuri Medeiros, quand même, qui, il faut le dire, est blessé. Ça va être aussi une absence de poids cette saison. Quand même, Braga a perdu ces deux joueurs-là en à peine 4 jours, et donc et malgré tout, cette équipe-là, elle a réussi à s'imposer à l'extérieur, à Moulins, ce qui n'est généralement pas un stade facile, surtout pour nous, et de s'imposer de cette manière-là et avec ce score-là, même s'il est peut-être un petit peu exagéré par rapport à ce que Braga a fait, notamment en seconde période. Mais sur cette question du podium, je trouve que ouais, c'est plutôt mérité. Après, certains classements font par rapport au goal average normal, et donc Benfica sera encore devant 20 buts, mais bon, à la fin de la saison, c'est comme le goal average particulier qui est pris en compte. Donc on va prendre ça et se dire que ça aurait pu être devant n'importe qui des trois grands. Braga sur le podium, sur ce que Braga a montré, toutes les compétitions confondues depuis le début de la saison, à la mi-saison, même s'il reste encore une journée. C'est plutôt mérité, ouais, je trouve. Donc pour revenir ensuite sur le match vite fait, on a vu quand même un Braga qui, comme j'ai dit précédemment, s'est imposé assez facilement. Sur les 4 premiers tirs, ça fait 4 buts, Mathieu, hein, si je dis pas de bêtises. Donc totalement efficace, un Braga efficace enfin. donc le premier but qui arrive à la 7e minute, c'est un but de Fran Sergio sur une erreur de Fabio Pacheco, lui qui est d'habitude plutôt solide dans cet aspect là c'est vraiment un joueur, pas dire référence dans le championnat, mais un bon joueur dans le championnat. Et ensuite, Braga s'est rendu le match facile, Mathieu. Est-ce que pour toi, 4-0, c'est vraiment le score mérité, ou Braga aurait pu en mettre encore un peu plus? Non, je trouve pas que c'est totalement mérité, notamment en deuxième période. Moreirense a quand même réagi. Après, voilà, le match était particulier. Voilà. Faut rappeler que le club est sur une série de matchs assez folles. Avec jamais plus de 72 heures pour récupérer depuis le match face à Benfica en Coupe de la Ligue. Pardon Alex, c'est pas entendu. Et oui. Je dis qu'ensuite, surtout
Orana le fait pas mal tourner en seconde mi-temps. Il est obligé, voilà, il fait tourner en deuxième mi-temps, il sort directement Ricardo Horta et André Castro parce qu'il mène 3-0 à la pause. Donc il y a une très bonne gestion, je trouve, de son effectif depuis le début de la saison, depuis cette période-là, même depuis le début de la saison, mais surtout depuis cette période-là où c'est quand même une densité de match assez folle, hein, faut le dire. Hein, c'est très rare quand même de ne jamais avoir au moins 3 jours entre deux matchs. Et là, depuis sur les 7 enfin, après le, si on a lors du match face à Porto dimanche prochain, donc sur les 7 derniers matchs, Braga n'aura jamais eu plus de 3 jours pour récupérer, mais malgré ça tu gagnes quasiment tous tes matchs sauf cette finale en Coupe de la Ligue face à Benfica, face au Sporting. Donc voilà, et hier oui, tu te rends le match facile très tôt, et heureusement, parce que si tu te rends pas le match plus, si c'est que 1-0 à la mi-temps, ou si c'est un 2-1, ou même match nul à 0-0, la deuxième mi-temps peut être plus compliqué, parce que tu sens que l'équipe a certes beaucoup géré, mais même si tu sens que physiquement c'est quand même une charge importante à digérer, et Carvalho voilà, le fait sort directement son meilleur joueur Ricardo Horta, André Castro, donc ça sentait qu'il y a une vraie gestion aujourd'hui du côté de Braga pour arriver d'ici à peu près à trêve internationale avec au moins être encore en championnat, être dans la course et pour la Ligue Europa et pour la Coupe du Portugal aussi. Braga est encore en compétition dans ces trois compètes. Donc un résultat qui est un peu injuste, je trouve, parce que 4-0 c'est dur par rapport à ce que Molins a produit, mais c'est aussi le signe d'une équipe quand même qui est très confiante et qui est vraiment est très compétente dans tout ce qu'elle fait offensivement, et qui maintenant est un peu capable de marquer sur tous les stades et à peu près être dangereuse un peu tout le temps, et ce qui leur permet de créer beaucoup d'occasions, et même dans ce temps où c'est difficile physiquement, l'équipe comprend très bien ses principes malgré les absences, donc c'est quand même très positif. Ça, tu as parlé du calendrier, il y a, vous recevez dans 3 jours, non même pas, dans 2 jours, Portimonense, une équipe qui quand même reste à votre portée quand même. C'est peut-être le moment d'enchaîner les victoires, si on peut dire ça comme ça, avant la confrontation contre Porto. Ouais, clairement, c'est le match à sa Portimonense. Je pense qu'on n'aura pas de live d'ici là. Notre prochain live, je pense, sera après le match à sa Porto. Donc ce match à sa Portimonense, il est très important, parce que déjà, il peut permettre de nous obtenir 36 points sur la phase aller, ce qui est quand même un beau score, je trouve, malgré tout. Les deux saisons d'Abel, par exemple, c'était 40 points. C'est beaucoup plus que la saison dernière, par exemple. Donc c'est pas mal. Donc arriver à 36 points à la mi-championnat, c'est une belle marque, je trouve. Mais voilà, il va falloir gagner Portimonense à domicile. Aucun match n'est gagné d'avance, surtout dans cette période-là. On n'est jamais sûr d'un possible accident, surtout quoi, sur certaines périodes que je faisais un petit peu, notamment la période d'après l'Europa League, on perd face à la Bessade, la période de 5 matchs assez importants qui étaient Boavista, Rio Ave, Sporting, Maritimo et Passos à la fin, on perd Passos, donc dans cette fin de série un peu, on a eu toujours un peu de mal, donc là j'espère qu'on n'aura pas de mal ce jeudi et qu'on arrivera aux 36 points à la mi-championnat, qui est une marque importante, je trouve, pour la belle première partie de saison du Sporting Club de Braga. Ok Mathieu, donc est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Braga, où on parlera bien évidemment de Paulinho et de l'arrivée de Spora, etc. à la fin dans le dossier Mercato, où on peut passer au match de Porto contre Rio Ave. On va passer au match de Porto face à Rio Ave, j'ai des choses à dire à la fin. J'imagine. Bon Kevin, c'est à toi. Porto qui s'est imposé pareil, hein, assez facilement contre Rio Ave, qui avait un nouvel entraîneur, l'arrivée de Miguel Cardoso, lui qui avait déjà entraîné Rio Ave par le passé. On a déjà pu voir aussi quelques prémices de jeu, hein, de la part du nouvel entraîneur de Rio Ave, avec des sorties de balles de l'arrière, etc. Mais c'était encore trop tôt peut-être, même pas peut-être, c'est sûr, pour s'imposer face à ce Porto-là qui a été sérieux. On voit un Porto qui progresse dans le jeu depuis 2-3 matchs. Un Porto qui a clairement manqué d'efficacité, Kevin, mais qui réussit à s'imposer quand même avec un but de Luis Diaz en toute fin de première mi-temps, et ensuite Evanilson qui marque encore en sortant du banc. Donc Kevin, qu'est-ce que tu as pensé du match? Ensuite, ma question, ça sera, est-ce que, je connais déjà un peu la réponse, mais est-ce que Evanilson commence à s'imposer de plus en plus et peut-être réclamer une place de titulaire à la place d'un Moussa Maria qui est très décrié de la part de vos supporters? Déjà, dans un premier temps, par rapport à ta première question, tu as tout à fait raison, tu as très bien souligné. Les matchs de Porto sont de plus en plus agréables à voir. Mathieu disait qu'ils étaient imbuvables, et il avait raison au début de cette saison, et là ils deviennent beaucoup plus buvables, on va dire, pour reprendre son expression. On est sur une bonne dynamique, on joue bien en ce moment. Déjà le dernier match en coupe face à Gil Vicente, on a vu de beaux mouvements de la part de l'équipe,
Et ça a été le cas encore contre Rio Ave, où on fait un très bon premier quart d'heure, où on doit mener au moins de 2 ou 3 buts, mais par manque de finition, on n'arrive pas à la mettre au fond. Donc oui, on a très bien joué, on a eu beaucoup d'occasions franches, mais avec un peu un manque de finition, comme on a l'habitude sur certains matchs. Donc on a marqué tardivement, donc en fin de première mi-temps par Luis Diaz, comme tu l'as dit. Et oui, on s'est fait peur encore, et on a marqué ce deuxième but très tardivement par l'intermédiaire d'Evanilson. Donc on a fait le boulot, il fallait gagner face à une équipe de Rio Ave qui a essayé de créer qui a essayé de jouer. Mais bon, oui, Miguel Cardozo n'a pas encore plus imprégné sa patte sur l'équipe. Donc c'était un peu compliqué pour eux qui restaient sur une dynamique pas très bonne. Et oui, après, si on peut souligner des joueurs qui ont été bons, Corona, le meilleur joueur du championnat, on le répète encore une fois. Taremi qui est décisif alors qu'il ne fait pas un grand match. Passe décisive alors qu'il ne fait pas un grand match. Donc c'est la marque des grands, ça. Luis Diaz, ce que j'ai trouvé intéressant, même s'il a toujours ce manque de finition, il faudra qu'il améliore. Mais il a été très actif et même il a réussi à faire des courses à haute intensité pendant 90 minutes. Ce qui, avant, il avait du mal, mais là, j'ai trouvé qu'il avait du jus. Et après, pour revenir à ta deuxième question sur Evanilson, t'as tout à fait raison. Pour moi, il doit jouer et je comprends pas comment, déjà, il y a un ou deux mois, il jouait pas du tout, il rentrait même pas en jeu à la place d'Anthony Martinez, alors qu'à chaque fois qu'il rentrait, il était bon. Donc je comprends pas trop ce choix de Concessant. Tu sais très bien que Concessant met beaucoup voilà, de temps à adapter les recrues, parce que pour lui, il y a un processus à apprendre, un style de jeu à assimiler, et du coup, je pense qu'il prend vraiment le temps avec ses recrues. Ouais, c'est ça, il prend beaucoup de temps avec les jeunes, mais bon, après... on a envie de dire, même toi, tu le dis souvent, un jeune joueur, s'il est prêt, il doit jouer. Et même si un joueur, il a 30 ans et qu'il a d'expérience, s'il est mauvais, il doit sortir du 11, à l'image de Marga, qui fait un match cataclysmique. Il a rien réussi sur le match. Et logiquement, il sort à 70e. Et Vanilson, premier ballon qui touche, il marque. Donc, c'est ça la différence entre un attaquant qui marque des buts, qui est un vrai buteur, et Marga qui fait un non-match. Voilà. Donc, et voilà. Il faut quand même parler de Ribé. C'est vrai que Ribé, c'est un joueur qu'on n'est pas vraiment en avant, parce que c'est pas forcément le joueur qu'on aime voir évoluer. C'est vrai que c'est un joueur qui, techniquement, n'est pas forcément le maestro de l'équipe, mais c'est vrai que dans tout ce qui est transition défensive, surtout dans tout ce qui est contre-pressing, c'est un joueur ultra important pour Concessant. Et du coup, oui, comme tu le dis, c'est un joueur très très important pour Concessant. Même si moi non plus, je suis pas très très fan de ce joueur, parce que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux techniquement. Parce qu'avec la balle, des fois, c'est très très limité sur certains matchs. Quand il est associé avec Sergio Oliveira, et quand tu as une équipe qui est bonne en face, pour ressortir les ballons, c'est compliqué. S'il a pas trop. Notamment, il perd une balle où ça fait but, quoi. Je pense. Ouais, c'est ça. Sur certains matchs, il fait des erreurs comme ça, flagrantes, où il perd la balle dans des zones du terrain assez dangereuses, qui peuvent coûter des buts. Donc, ouais, mais après, dans tout ce qui est abattage défensif, récupération de balle, il est partout. Il est partout, donc c'est un joueur très très important pour Concessant. Donc ouais, il faut le souligner aussi, sa bonne prestation. Et après aussi souligner Marquezine, toujours vigilant comme d'habitude, où il fait une bonne sortie sur Jean Saldana, qu'il fallait la faire proprement. Donc il faut souligner aussi ses bonnes prestations à Marquezine. On nous dit sur le chat, incroyable la faculté de Mariga à perdre tous ses duels alors qu'il a un physique de bodybuilder. C'est clair, mais après, quand tu sais pas utiliser ton corps, forcément. C'est ça, quand t'as pas de cuifoot, c'est compliqué. Sur Mariga, je me réfère à une interview, enfin, je crois que c'était une interview d'après-match de Pep face au FC Porto, qui disait que de toute façon, Mariga, en gros, il peut décrocher entre les lignes, il peut faire ce qu'il veut, il peut même se mettre dos au but, donc laissons-le le faire. De toute façon, il sait, entre guillemets, je déforme, mais il sait pas utiliser le ballon, donc laissez-le tranquille. C'est plus dans les courses en profondeur où là, faut le maîtriser. Donc c'est pas étonnant, et c'est vrai que si Mariga, en plus, au niveau de la profondeur, au niveau de ses appels, surtout côté droit, entre le central et le latéral, il n'a même plus vraiment à faire ça. Bon, c'est vrai que c'est surprenant. Enfin, c'est toujours aussi surprenant de voir autant de fois titulaire du côté du FC Porto, même si on sait soi-disant qu'il est aussi si important à Concessant, même si j'estime toujours qu'un joueur qui s'utilise à profondeur, il n'y a pas que Moussa Mariga sur Terre. Bien sûr.
Aujourd'hui, on nous dit aussi sur le chat, Raphaël Almeida, qui nous demande si donc aujourd'hui il y a une rumeur comme quoi Otavio aurait finalement prolongé à Porto jusqu'en 2025. Est-ce que vous y croyez ? Personnellement, non. Moi non plus, je crois pas. Non, les joueurs aiment trop être. Enfin, pas trop, mais ils savent que s'ils ont leur contrat entre les mains, ils ont la prime à la signature. Et donc, même s'ils aiment le club, Télès l'a dit il y a pas longtemps aussi, c'est, le fait d'avoir son avenir entre les mains, c'est parfois plus simple. Donc voilà, je pense qu'en tant que supporter de Porto, adorerait quand même que Otavio reste. Parce que déjà financièrement, enfin, c'est quand même un actif important et que c'est un joueur que tu peux revendre facilement 15-20 millions d'euros. Donc voilà, donc tu perds quand même cette valeur-là, plus voilà, toutes les valeurs que tu as perdues il y a quelques années. Donc ça ferait beaucoup, j'y crois vraiment très très peu. Il y a donc une dernière question, Kevin. Porto, je pense que se place vraiment comme... pour l'instant, on ne va pas évidemment tirer de conclusion ou faire de bilan tout de suite, mais ça se place comme le concurrent direct au Sporting pour le titre, hein, à 38 points, donc quel point de retard sur le Sporting. Ils ont déjà commencé un peu à distancer Braga et Benfica, qui, donc, ces deux clubs-là, ont 5 points de retard sur Porto. Porto qui reste, je crois, sur 68 buts marqués, il reste sur 68 matchs, pardon, à marquer à chaque fois au moins un but. Kevin, est-ce que tu penses que Porto ira chercher ce titre à la fin ? On sait que bien un de nos chroniqueurs s'est déjà prononcé là-dessus en off, mais toi, voilà, est-ce que tu te enflammes un peu ou tu restes quand même un peu prudent parce qu'on ne sait jamais ? Non, moi je reste un peu prudent. Je pense qu'on sera à la lutte, en tout cas jusqu'à la fin de saison, ça c'est sûr et certain. Je ne pense pas qu'on va se faire distancer. Mais Sporting est quand même très très bon en ce moment et très très bon et très très solide surtout défensivement. Donc ils perdent très peu de points face à des grosses équipes. Donc ça va être l'équipe invaincu, du coup, ça va être compliqué de les battre. Et surtout qu'on a un calendrier quand même assez chargé là qui arrive. Donc on va rencontrer quand même Braga deux fois, une fois en coupe et une fois en championnat. Ensuite il va y avoir la Ligue des Champions qui va venir. Ensuite il va y avoir les matchs contre Maritimo là-bas, plus Sporting. Donc ça c'est un calendrier. Là le mois de février il va être assez intense. Il va falloir prendre des points et le maximum possible pour rester dans la lutte, mais en tout cas je pense qu'on a, oui, en tout cas par rapport au à BFK, ça c'est sûr qu'on a plus de chances de finir champion en tout cas. la petite. Il a raison. Les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match Porto Rio Ave ou bien on peut passer au derby? Juste sur Porto, Alex, avant de passer au derby, c'est clairement je pense que le titre va se jouer entre Porto et le Sporting. Certes, le calendrier est un peu chargé, mais Porto a quand même un effectif qui n'est pas une immense qualité par rapport à certaines saisons, mais qui est ample. Et donc ouais, j'y croyais pas il y a quelques mois, j'avoue. Hein, j'avais déjà dit qu'il y avait certaines, enfin, défensivement, c'était le gros point fort de Concession. Ce qu'on voyait en début de saison, c'était quand même très très loin de ce que cette équipe nous avait montré pour gagner le titre, notamment la saison dernière. Mais j'ai l'impression quand même que même si c'est pas hyper sûr, tu sens que le FC Porto quand même défensivement défend un peu mieux et ça suffit un peu pour ne pas prendre de but face à Rio, sur Rio quand même sur les deux derniers matchs. Donc déjà c'est un peu le théorème du Sporting cette saison, c'est des deux équipes qui dès que tu prends moins de buts tout de suite forcément avec ta puissance offensive t'arrives à mettre et à généralement ne jamais perdre et souvent gagner quoi. Bah c'est nickel ce que tu viens de dire parce que du coup c'est parfait pour ma transition parce que le match d'hier résume un peu cette pensée là, c'est à dire que les entraîneurs ont plutôt fait des schémas tactiques pour détruire l'adversaire adverse plutôt que de créer, et du coup ça nous a donné un match technique au niveau technique catastrophique. On a vu des contrôles loupés, des passes en touche sans pression adverse. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment honteux, une prestation technique comme ça pour le premier contre le troisième. C'était vraiment dégueulasse à voir. Par contre, sur le plan tactique, on a vu des belles choses, les garçons. Donc, on en parlera. Vous me dites si vous avez les mêmes choses. Mais pour commencer, Dani, tu en parleras aussi avec de précision. On a vu un Benfica qui s'est adapté au sport de Amorim avec un 3-4-3, du coup, assez inédit, même si on l'avait vu dans les précédents matchs. Avec du coup, on a vu donc une défense à 3, Jardel, Vertonghen et Otamendi. Et du coup, donc Benfica qui s'est calqué vraiment sur le système d'Amorim. Et ce qui fait que du coup, on n'avait pas de supériorité numérique dans chaque zone du terrain. Et du coup, on voyait que par exemple, lors des sorties de balles Sporting, on avait du coup Rafa sur Fedal,
Darwin sur Coates et Servi sur Neto. Et ensuite, les deux pistons, donc Gilberto sur Bruno Mendes et Grimaldo sur Porro. Et ce qui fait que du coup, les défenses étaient quand même assez hautes. Et ce qui a provoqué du coup de la part du Sporting des longs ballons parce qu'on ne pouvait pas tout simplement jouer dans le couloir central parce qu'il y avait directement un adversaire sur un joueur Mario ou sur un Matheus Nunes. Du coup, Sporting a su s'adapter à tout ça, Dani, avec des longs ballons sur Thiago Thomas qui est très bon à la profondeur, sur Nuno Santos qui le fait très bien aussi. Du coup, Jardel se blesse comme ça au bout de 10 minutes, je crois. Et du coup, Dani, Benfica n'a pas su vraiment s'adapter à ça. Ils ont su contrarier le plan de Amorim en pressant très bien, en les empêchant de jouer dans le couloir central. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le ballon, c'était un peu plus compliqué parce que contrairement à Sporting qui balançait, cherchait la profondeur, Benfica a essayé de trouver un point d'appui de Darwin. Et Darwin n'a pas été bon, malheureusement, a été vraiment catastrophique. Il a perdu tous ses ballons. Et du coup, je pense que pour moi, vous perdez ce match-là sur cet aspect-là, Dani. Je pense que toi, tu en penses... C'est d'ailleurs sur cet aspect-là. C'est-à-dire que pour moi, vous perdez là, parce que sans ballon, vous avez fait un bon match, pour moi, mais avec le ballon, bah, il n'y a pas eu d'idée, et surtout un Darwin qui était... Donc, tu es en train d'expliquer, par exemple, que sans ballon, en fait, on a joué comme une équipe qu'il fallait tenir un résultat, espérer ne pas se prendre de but, comme si on avait, en fait, 6 points d'avance. C'est ça, vous avez joué pour perdre, en fait. C'est bien, hein. Ça résume juste la mentalité de l'équipe. Non, je voulais juste t'entendre dire pour voir si j'étais fou ou pas. Parce que je me souviens pas avoir vu un Benfica aussi peu inoffensif hier. Il faut juste rappeler qu'on a fini le match avec 0-3 des expected goals, je crois. Oui. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Si on jouait la troisième place, c'est pas mal. C'est dommage parce qu'on a perdu à la dernière minute. Non, mais désolé, mais au bout d'un moment, bah, on est Benfica. Donc, notre réalité, c'est pas ça. Moi, je suis désolé. Ma réalité, ça n'a jamais été de jouer la 3e, 4e place, surtout quand, en début de saison, on me disait que limite, les titres au Portugal, c'était acquis et que du coup, bah, fallait jouer l'Europe. Donc, apparemment, on va commencer à redescendre sur Terre, enfin, j'espère. Et du coup, par rapport au match d'hier, ouais, bah, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais sur ton analyse déjà tactique, bah, grosso modo, c'est ce qu'on a vu. Maintenant. C'était intéressant pour bloquer. Après, pour proposer du jeu par la suite, c'était plus compliqué parce que déjà, quand tu vois que techniquement, tu as des pistons comme Gilberto, bah, c'est très compliqué de pouvoir proposer quelque chose. Quand tu sais que trois quarts de ses centres finissent dans les mains d'Adan, enfin, trois quarts, non, la totalité. Il n'y en a pas un qui est arrivé sur un de nos joueurs. Quand tu vois par un Darwin qui, encore une fois, dans la prise de décision, je parle surtout de ce moment où il peut glisser le ballon sur la gauche ou il ne le fait pas. Je parle du nombre de fois où il est hors-jeu. Je veux dire, au bout d'un moment, tu le fais une fois, deux fois. Normalement, c'est bon. Tu commences à capter un peu, mais non, ça ne rentre toujours pas et ce n'est pas le premier match où ça arrive. Le seul qui, pour moi, était intéressant devant, c'était Rafa, mais qui essayait de faire des différences. Mais au bout d'un moment, ça se regroupait tellement bien du côté Sporting dans la transition défensive que il était vite bloqué et qu'il avait aucune solution autour de lui. Donc soit il glissait ce ballon à Gilberto, soit des fois il pouvait avoir un appui sur Pizzi. Je vais pas dire que Pizzi a fait un match horrible, je trouve qu'il a fait plutôt un match correct. C'est pas celui-là qui m'a le plus choqué. Même défensivement, je trouve que c'est un des matchs où il était le plus intéressant défensivement. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, lui qui généralement a beaucoup de lacunes à ce poste-là. Je sais pas si c'est le fait d'avoir aussi une défense à 3 qui a aidé, je pense. Et là où j'étais très satisfait, c'est les trois derrière. Enfin, j'enlève Jardel, hein, parce que lui, pour moi, ne devrait même plus faire partie de l'effectif, mais ça, c'est un autre débat. Mais à sa sortie, Weigl, pour moi, en fait, je pensais plus le début, avant qu'on ait la compétition, je pensais qu'il jouerait dans cette défense à 3, enfin, en tout cas, qu'il descendrait à ce niveau-là. Fait le taf, comme d'habitude. Otamendi, très bon. Vertonghen, très bon. Des fois, on le voyait... Vraiment, au niveau du pressing, aller chercher les ballons très haut, être au contact directement de Jean-Mario ou de Matheus Nunes, etc. Donc, c'était intéressant. Maintenant, devant, c'était très peu qualitatif. Que ça soit Servi, que ça soit Darwin, que ça soit même Grimaldo, on l'a vu complètement éteint. Donc forcément, au bout d'un moment, quand t'es dans un match où tactiquement, tu sens que c'est neutralisé des deux côtés, parce que pour moi, le Sporting n'a pas non plus été dangereux face au but, en fait. Pour moi, ils étaient très dangereux au moment où des transitions offensives, mais en fait, on était bons dans notre transition défensive. Donc, on arrivait vite à éteindre le feu, on va dire.
Donc ils n'arrivaient pas à arriver dans les 21 mètres et à nous allumer parce qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça, ils n'en ont pas eu beaucoup. Si tu enlèves le but, je crois qu'ils tombent pourquoi 0,5, Mathieu, je pense. Ils sont à 0,9. Ils sont à 0,9 et donc s'ils sont à peu près à 0,4. 0,5, 0,4. Ouais, voilà. Donc voilà, finalement ils ne produisent pas énormément de matchs, mais du coup à ce moment-là, ce qui compte, je pense que c'est déjà ton coaching au niveau des changements. Là où j'ai pas compris les nôtres, du moins l'entrée de Nuno Tavares, l'entrée de Seferovic, c'est pas classique. C'est impossible de voir ça en pro, moi je suis désolé. C'est pas possible de voir ça. Non, mais au-delà de son entrée, qui pour moi, voilà, je pense qu'il était encore perturbé peut-être par les dernières histoires qu'il a subies. Mais outre ça, déjà son entrée, ouais, elle n'est pas bonne. Mais outre ça, quand tu vois ce que tu as sur le banc, qu'est-ce que tu cherches avec ces remplacements en fait? Tu cherches les 3 points, tu as conscience que tu as 6 points de retard, ou tu vas te cacher derrière le fait que ton entraîneur a le Covid, du coup c'est plus compliqué de prendre des décisions. Je sais pas, faut qu'on m'explique. Parce que derrière, il n'y a eu aucune initiative, il n'y a rien eu. Donc voilà, côté sporting, bravo. Bravo, parce que je te dis sincèrement, sur la fin de match, on se l'a dit en off, mais moi je me le disais, c'est-à-dire que quand on rentre dans les 90e minutes, je me dis qu'ils ne nous fassent pas la même fin de match qu'ils ont fait contre Porto. Où il leur faut peu de ballons, mais ça rentre. Et c'est ce qui arrive, en fait. C'est ce qui arrive, et bravo à eux, parce que c'est des matchs comme ça où peut-être tu gagnes un titre de champion, en fait. En tout cas, tu fais perdre le titre à quelqu'un. Après, je vais dire honnêtement, Mathieu, il y a un an, je te disais que 7 points d'avance, c'était pas joué. Il y a 2 ans, je disais que 7 points de retard, c'était pas joué. 9 points de retard, c'est pas joué non plus. Maintenant, la différence, c'est que. Mais c'est que personne n'a gagné. Le problème est répétitif. Ouais, voilà. Et que c'est Sporting qui est devant et qu'on ne dépend pas de nous. Donc, je ne vais pas te dire on va remonter. Je vais juste te dire je ne suis pas non plus hyper confiant. Je ne suis pas non plus. Enfin, je ne peux pas être pire que dans l'état dans lequel je suis vis-à-vis des espérances du titre. Mais si on le gagne, tant mieux. Mais ça, je n'oublierai pas déjà juste les premiers mois qu'on a eu. C'est honteux. C'est honteux de A à Z. Donc, voilà, super. Mais il faut faire un sans faute. Je ne vois pas cette équipe faire un sans faute, en fait. Je ne vois pas cette équipe faire la deuxième partie de championnat, faire la totalité des points sans perdre aucun point. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que je vois tellement un manque de caractère et d'attitude là où j'ai vu un Sporting hier qui avait une attitude mais totalement changée. On peut ne pas aimer, moi le premier, les attitudes de Nuno Mendes sur le côté gauche, les attitudes de Nuno Santos sur les simulations, etc. Mais au bout d'un moment, ça avait un objectif, c'était qu'il fallait sortir l'équipe adverse de son match, fallait que Gilberto y prenne son rouge, fallait gratter là où on pouvait gratter, en fait. C'est, au bout d'un moment, c'est aussi ça, c'est sur ça que ça joue aussi des matchs. Et tu reconnais là un peu l'empreinte à Mourinho quand il était joueur, en fait. C'est que quand il faut oser aussi un peu de vice, il faut le faire. Et j'ai pas vu ça chez nous. J'ai vu un Darun qui tire quand il fait hors-jeu et qui va checker direct à Dan en mode ah désolé. Ou on joue en derby. Le caractère, c'est tellement important. Encore une fois, le peu de caractère que j'ai trouvé, c'était chez Otamendi, chez Vertonghen, chez Weigel. C'est même pas des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans. Les mecs qui sont là depuis 4-5 ans, ils comprennent toujours pas ce que c'est l'importance de ces matchs-là. Ils sont là, ils baissent la tête au moindre connerie. Puis si je peux parler encore sur la prestation des joueurs pour être un peu plus complet, parler aussi de l'entrée de Gabriel, qui est pour moi, si on parle de celle de Nuno Tavares, Gabriel, c'est une honte. C'est une honte de rentrer et de perdre autant de ballons, de ne pas être dans le sens du jeu. C'est problématique, en fait. Mais on en reviendra du coup à la partie que j'aimerais avancer, c'est la partie mercato, du coup. C'est un problème quand en sortie de banc, t'as que Gabriel pour remplacer Jardel, en fait. Et du coup, pour jouer au milieu de terrain, c'est horrible depuis 6 mois. Et quand tu perds, quand tu t'envoies 2 défenseurs en vacances, et que quand tu as ton Jardel qui se blesse, qui est quand même un passif au niveau des blessures, là, c'est quelque chose. T'as aucune solution sur le banc. Je suis pas directeur sportif, je suis pas dans la cellule de recrutement, mais je me poserai des questions quand même. Je me poserai des questions d'avoir un banc comme ça et de pas avoir une solution pour remplacer Jardel, d'adapter Weigel, mais qui encore une fois fait un match très bon, et que bien sûr, vu qu'il ne marque pas, il n'assiste pas, là on n'entendra pas certains supporters en parler, malheureusement, mais à saluer. Donc il y a des choses intéressantes à voir. Ce match là, tu le perds dans les premiers matchs de la saison, c'est pas un scandale de le perdre, c'est à dire que c'est pas dramatique. Le problème, c'est tout le contexte. On le perd à un moment où il fallait pas perdre, on perd ce match à un moment où
t'as un enchaînement de matchs important et c'était vraiment là qu'il fallait pas décrocher. Et ils l'ont fait. Là où il fallait encore montrer du caractère, ils n'ont pas su le faire. Là où Sporting devait le faire, ils l'ont fait. Là où l'entraînement du Sporting dit qu'ils ont 9 points en moins ou 9 points en plus, c'est la même chose. Bah, ils disent ça, mais ils prouvent sur le terrain qu'ils peuvent tenir ce discours-là parce qu'en fait, ils jouent sans pression. Ils jouent sans pression et le discours à la... J'ai dit une bêtise. Leur discours bête qu'ils ont tenu après le match nul, je ne sais même plus contre qui c'était là. Après ce match-là, bah, pour l'instant, ils le tiennent. Donc des fois c'est bien d'avoir un discours là, mais si on le tient pas derrière, ça, c'est inutile. Mais ils le tiennent, tu vois. Donc un Sporting que j'ai pas vu comme ça depuis très longtemps. Donc à saluer aussi, parce qu'on a, j'ai parlé des problèmes de Benfica. Il faut saluer aussi Sporting qui est bon. Peut-être pas aussi bon qu'en début de saison, mais ces matchs-là, faut les gagner. C'est des matchs, c'est des points importants à aller chercher. Ils les ont eus et bravo. Ça me dégoûte de dire ça, mais bravo. Mathieu, est-ce que tu auras une autre analyse un peu tactique sur ce qu'on a vu de la part de Benfica, mais aussi du Sporting, parce qu'il faut en parler. Je pense qu'il est quand même ultra solide, la meilleure défense de notre championnat, aucune défaite. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas l'équipe la plus belle à voir de notre championnat, mais c'est la plus forte, la meilleure, et tout simplement, son leader, et c'est entièrement mérité. Et ensuite, on répondra à la question de notre auditeur, est-ce que vous pensez que Matheus peut prendre la place de Jean-Mario? On y reviendra après. Mathieu, je te laisse la parole sur ce match-là. Oui, je ne vais pas faire une analyse différente, hein. Je vais essayer de compléter un petit peu sur ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça revient aussi à ce qu'on avait dit la semaine dernière par rapport à la Coupe de Ligue sur l'encapsulation des systèmes. Je trouve en fait que Jesus a mis un défense à 3 à la base aussi pour mettre Vaille au milieu de terrain. Parce que quand il manque d'autant de... Enfin, tu sens que cette équipe-là, tactiquement, n'est pas encore au point et que dans un match pareil, quand tout le monde est un peu sur le même joueur, enfin 3-4-3, forcément les deux équipes ont le même système. Donc pour surpasser, quand l'équipe commence à presser un peu plus haut, il faut des comportements qui sont différents que d'habitude et que tu dois travailler. Et on a parlé avec Braga la semaine dernière et Benfica, d'ailleurs le Sporting non plus, ne les ont pas complètement. Et je pense que pour surpasser des pressings aussi, il y a aussi la qualité individuelle des joueurs. Et je pense qu'un Weigl aussi au milieu de terrain, s'il était resté au milieu de terrain, ça aurait pu être un peu plus différent aussi pour Benfica au niveau du jeu, parce que tu aurais pu peut-être dribbler un ou deux joueurs, surpasser de temps en temps le pressing par sa qualité, surtout qu'il est vraiment bon sur ces dernières semaines. Et c'est peut-être le point qui a fait mal aussi avec la sortie de Jardel très tôt, c'est que tu as été obligé de remettre Veilleux dans les centraux, et forcément il avait le jeu en face, il a été bon dans ce qu'il devait faire, comme face à Braga d'ailleurs, lorsque je crois que c'est peut-être le dernier match de Benfica que j'ai vu, donc quand il était à cette position là mais voilà, je pense que déjà peut-être le côté Jardel qui sort très tôt dans le match par rapport à Veilleux, ça aurait pu changer quelque chose par rapport à son positionnement, et ça a aussi donné une performance en termes d'esthétique quand même, c'est vrai, comme tu as dit Alex, très très pauvre, mais voilà, le Sporting déjà est sur, on le répète, ça fait plusieurs semaines, ils ont une ligne défensive, et en plus ils n'avaient pas ligne hier, hein, mais sur tout le match, mais vraiment c'est ça, en fait tu vois du Jesus dans Amorim dans son travail de la ligne défensive. C'est vrai qu'on regarde certains matchs de Jesus, notamment cette demi-finale face à la Juve à l'époque en 2014, Jesus est un obsédé de sa ligne défensive pour permettre un meilleur comportement collectif de son équipe, et en fait le truc c'est que c'est largement meilleur que ce qu'on voit actuellement à Benfica. C'est pas que les individualités sont mauvaises, parce que c'est vrai Otamendi et Vertonghen sont à un bon niveau, mais une ligne défensive c'est collectif, et ce qu'ils ont sur les côtés c'est tellement moyen que forcément c'est dur à travailler, et voilà. Et donc le Sporting aujourd'hui encaisse tellement peu d'occasions, parce que tu disais ils encaissent pas en termes statistiques, c'est vrai, mais ils encaissent pas d'occasions presque, ils encaissent 0,3 expected goals hier face à Benfica. On s'en rend pas compte, c'est peu. Alors ils en ont pas créé beaucoup, c'est vrai, et ça je le répète, et c'est pour ça que je dis que le Sporting n'est pas esthétiquement l'équipe qui joue le meilleur football au Portugal. Par contre, est-ce que c'est la équipe? Oui, parce que défensivement ils sont largement au-dessus. Ils ont des comportements d'une équipe pour être championne, ils ont des comportements d'une équipe qui veut aller chercher ce titre, et ils ont aussi des individualités pour le faire. Quand tu vois le niveau de Coates aujourd'hui, quand tu vois Fedal, quand tu vois même le renouveau de Luis Neto, c'est ça la vraie qualité d'une équipe pour gagner un championnat. C'est vraiment ça pour moi le principalement. Bien sûr qu'après forcément il faut créer quelque chose, je dis pas le contraire, mais quand tu vois le Porto la saison dernière qui encore une fois pas extraordinaire, et c'est que grâce à ça, entre guillemets, vraiment grâce à ça qu'ils sont champions, par rapport à leur qualité défensive, par rapport aux peu d'occasions qu'ils encaissent. L'année dernière c'était ahurissant ce que Porto n'encaissait pas, et le Sporting c'est à peu près la même chose, donc c'est surtout ça. Et
Et ce qui fait que voilà, que le Sporting va se battre avec le FC Porto. Est-ce que le Sporting sera champion à la fin de la saison? Je ne pense pas. C'est pas du tout fait encore, je trouve. Quand t'as le Porto Concession derrière toi qui est à ce niveau-là, c'est très compliqué de se prononcer là-dessus. Donc voilà pour le Sporting. Donc bon, bravo. Et voilà, les deux gros points forts, c'est ça, la ligne défensive pour moi et la mentalité. Et que même s'ils n'ont pas fait un grand match offensivement, ils ont essayé de chercher la victoire jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qu'on voit depuis avec Amorim depuis qu'il est là, depuis qu'il était à Braga. Le nombre de victoires de ces équipes dans les quatre, au-delà des quatre, de la 90e minute de jeu est assez ahurissant, et c'est à souligner, et c'est dire le grand travail qu'il est en train de faire, même si j'ai envie de dire, même s'il n'est pas champion à la fin de la saison. Déjà, il y a tellement de points positifs, je trouve, pour la suite. Après, c'est vrai qu'offensivement, je le répète, pour moi, cette équipe-là ne me fait pas rêver sur ce qu'elle produit offensivement. Et sur Benfica, Glasgow Rangers, pas de victoire, Braga, pas de victoire, Porto, pas de victoire deux fois sur ces trois matchs, et pas de victoire face au Sporting. Comment tu veux faire si cette équipe-là n'arrive pas à gagner des matchs importants? C'est une équipe qui est très dure à analyser, vraiment. Et franchement, enfin, Gilberto, mais il m'a rendu fou hier. Parce que c'est même pas le côté centre, en fait, que Dani a évoqué. C'est le côté que il sait même pas quand est-ce qu'il faut qu'il monte dans son couloir. Enfin, récupération du ballon sur le côté gauche, monte sur le côté droit, monte sur le côté. Il y a un espace. Il y a un truc. Il me semble qu'on avait fait un reproche à une époque en disant ouais, mais quand t'as un 3-4-3, oui, forcément, bah t'as des pistons, donc bah, tes latéraux, ils sont, l'amplitude elle est maximale. Elle a expliqué ça à Gilberto, l'amplitude maximale, comme si c'était inné, tu vois, que le piston, en fait, bah oui, il apporte une amplitude maximale. Mais non, Gilberto, il applique rien du tout, en fait. Et c'est horrible, parce que récupération du ballon, va sur ton couloir, propose quelque chose. Donc, un, il sait pas, il comprend rien tactiquement, rien du tout. Ça se voit que c'est un joueur qui vient du Brésil, nul. Je suis désolé, excusez-moi, mais ça m'a rendu fou hier de voir un joueur pareil. Il y en a tellement des meilleurs joueurs que lui au Portugal, franchement. Même, je pense que tu seras d'accord avec moi, Alex, que le petit Soria du Destoril en deuxième division, il est largement meilleur que lui, donc voilà. Et en plus, il s'est pas centré. Voilà. Donc, avoir un mec comme ça et de dire à chaque fois, non, mais regardez le Brésil, les joueurs étrangers, il y a 6-7 joueurs au Portugal qui sont meilleurs que lui à son poste, donc c'est ahurissant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match et sur Matheus Nunes. Bah, je trouve que moi j'ai beaucoup aimé le discours d'Amorim en disant j'ai préparé mon match sans Paligne. Bah, il fallait faire comme ça. Paligne avait son carton jaune. Je ne veux pas revenir sur l'imbroglio, enfin c'est ahurissant, mais sur le fait que Amorim il a confiance en tous ses joueurs. Et donc s'il n'avait pas Paligne, il aurait mis Matheus Nunes, et Matheus il a fait un grand match hier. Et ça, c'est aussi un côté que j'ai du mal avec les dirigeants, entre guillemets, c'est qu'ils voulaient absolument que Paligne soit là, parce que oui, c'était un match important, oui, mais il y a d'autres joueurs derrière. Et ça, c'est pas une marque de confiance de se dire que Matheus Nunes, en fait, il n'était pas du calibre. Mais hier, il a été appelé, il a été là, on l'a demandé à jouer, il a été présent. Et ça fait penser aussi à Jean Novaes l'année dernière, qui avait été appelé parce que Paligne, avec le Braga, ne pouvait pas jouer face au Sporting, et il a répondu vraiment présence incroyable. Et c'est ça le collectif que Morin a réussi à créer. C'est ça, c'est cette force collective, et que chaque joueur est important. Et c'est ça le fait d'une équipe qui peut aller chercher quelque chose de grand à la fin de la saison. C'est exactement ça. C'est la preuve d'un grand entraîneur, et c'est aussi, parfois peut-être aussi, la preuve de dirigeants qui ont eu beaucoup de chance cette dernière saison. Ces derniers mois. C'est vrai que tu fais bien de souligner le fait que Amorim a fait confiance à Matheus, parce que c'est vrai que toute la semaine il a travaillé avec lui, il a travaillé avec ce double PO, si on peut dire ça, avec Matheus Nunes et João Mario. Il le dit en conférence de presse, voilà, qu'il se voyait pas au dernier moment de dire bah écoute, non, je t'aimais pas, je mets pas Vigna, parce qu'il le dit, je préfère perdre un match plutôt que perdre tous mes joueurs. Et au final, il le dit très bien, il a raison entièrement. Il le dit aussi à la fin que parfois le fait d'avoir une âme, le fait d'avoir tous ces joueurs avec, ça permet de gagner des matchs. Et hier, c'est exactement ça. À la 92e, bah, les joueurs sont avec Amorim, les joueurs courent encore pour Amorim. Et s'il n'aurait pas mis Matheus Nunes dès le début, peut-être qu'il aurait perdu le vestiaire. Et quand tu perds un vestiaire ensuite pour le rattraper, c'est tout de suite plus compliqué. Donc c'était un truc qu'il fallait bien le souligner. Et pour la question de Lolo SCP, vous pensez que Matheus peut prendre la place de João Mario? Je ne sais pas vous, votre avis, les garçons, mais moi je pense que oui, pour la simple raison, c'est qu'il est meilleur. Tout simplement, João Mario, depuis quelques semaines, est là sans être là. João Mario n'apporte rien, n'apporte pas de caractère, joue sur un faux rythme comme on voit depuis 2015 quand même. Hein. Il a pas, voilà, 2016 quand même. C'est le rythme depuis 5 ans. Donc voilà, oui, moi je pense que Matheus Nunes, c'est l'avenir en plus du club. Donc je vois très bien ce joueur prendre la place du milieu portugais. Et vous les garçons, pour répondre à la question? Si je peux répondre, Alex, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, bon, João Mario n'est pas un handicap non plus.
J'ai envie de dire, c'est pas non plus un joueur. Tu joues pas à 10 avec Jean-Mario du côté du Sporting. Et après, est-ce qu'il apporte ce qu'il devrait apporter? Non. Enfin, après, est-ce que c'est pas son niveau actuellement? Enfin, quand tu réussis pas au Lokomotiv Moscou, quand tu réussis pas un peu nulle part sur ces 4-5 dernières saisons, bon, c'est que. Et que en ce moment, en plus, t'as même plus à réussir à être ce joueur différenciant au milieu de terrain. Bon, bah, c'est qu'il est là. Je suis d'accord avec toi que Matheus Nunes, soit vu du match qu'il a fait, bah, mérite un peu plus sa chance. Et pas d'être le remplaçant de Palin, mais peut-être être le pendant de Palin à côté de lui. Et je serais quand même sacrément surpris. Je ne sais pas s'il a une clause dans son prêt, Jean-Mario. Mais même comme ça, je serais sacrément surpris que le Sporting le conserve l'année prochaine. Je pense que tu peux aller chercher beaucoup mieux. Enfin. Un joueur qui va t'apporter plus. Et ça, c'est une piste d'amélioration quand même dans le double pivot du Sporting la saison prochaine. Je suis d'accord. Et saluer l'auteur de la question, Lolo SCP, qui est là quand même depuis souvent. Et on remercie pas assez nos auditeurs en direct. Donc, merci à tous. Et que vous êtes souvent présents et fidèles. Infidèles. Merci hein. À vous. Voilà, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve et on vous remercie. Et j'avais lu, Mathieu, sur Jean-Mario, que Varandas voulait tout faire pour le garder. Maintenant, ça m'étonne pas. Parce que c'est quand même l'homme qui voulait virer Paligne, donc bon, ça ne m'étonne pas. Ouais. Enfin, dernière question pour ce match-là, est-ce que Sporting là, ne peut plus se cacher et Sporting est un prétendant en titre, et moi ma question c'est est-ce que c'est le favori pour les titres? Et enfin, deuxième question, est-ce que Benfica est totalement décroché de ce titre de champion? Si y a quelqu'un qui veut répondre. Dany, je pense qu'il a déjà commencé à répondre un peu... moi je pense qu'on n'a pas des non on n'a pas décroché, enfin tant que c'est possible je te dirais toujours ouais c'est possible, donc non, enfin je suis peut-être pas objectif mais je préfère me dire ça que me dire ouais c'est fini et voilà. Il y a une part de moi qui pense comme ça, mais bon, il reste encore tellement de matchs que tout peut arriver. Sporting peut perdre des points, Porto peut perdre des points, nous on peut en gagner à ce moment-là. Il suffit de faire, je sais pas, de faire un sans faute jusqu'aux 4-5 derniers matchs de la saison et que derrière il y a des points qui se perdent. Je sais pas. Donc tous nos vrais gros matchs sont en fait limite en fin de saison, tu vois. Entre temps, tu chopes Braga, ouais, peut-être au début, mais après entre Braga et Porto, t'as des matchs, si t'es sérieux, tu les maîtrises, même si on sait que dans le championnat, maintenant, il y a de très belles équipes. C'est Benfica. Je vais pas le répéter plus que ça. C'est un effectif, t'as le meilleur effectif au Portugal. Sur papier, hein, en termes de joueurs. Et même comme ça, aujourd'hui, je sais plus trop. Mais logiquement, avec l'argent investi, t'as quand même une très belle équipe. Donc voilà. Mais pour le Sporting. Favori, ouais, parce qu'ils sont premiers, tu vois, et qu'ils sont bons. Après, pour moi, c'était un peu l'outsider qui, pour moi, pouvait faire la surprise, donc j'étais pas étonné qu'ils fassent ce parcours-là. Maintenant, est-ce qu'ils sont favoris au point de perdre aucun point? Non, je pense pas non plus. Pour moi, il y a un juste milieu. En tout cas, ils sont dans une très belle position. Ils peuvent créer la surprise, même si ça n'en serait plus une. Bon, pour le coup. Kevin, est-ce que t'as un petit avis là-dessus? Moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit Dany. C'est encore difficile de se prononcer même s'il y a quelques tendances. Je pense que Benfica, oui, ils sont capables de revenir. On l'a vu l'année dernière, Porto était complètement largué et ils ont réussi à finir champion à la fin de la saison, même si c'était un contexte un peu plus différent. Mais je vois quand même Porto avec quand même un peu plus favori, même si ça prend de retard par rapport à l'expérience de champion et sur comment gérer cette saison par rapport à un Sporting qui découvre depuis quelques années qu'ils n'ont pas joué le titre réellement, qui va découvrir cette année la pression et comment gérer les matchs jusqu'à la fin. Donc je vois Porto un peu favori, même si le Sporting va aller juste derrière et je pense qu'ils sont bien partis aussi. Donc ça va jouer entre les deux. Je crois pas trop pour Benfica, même si Dani a encore un petit espoir. Mais voilà. En tout cas, moi, ça va jouer entre les deux et je pense que Porto a quand même une légère avance par rapport à son expérience. Ok, garçon. Vas-y. Excuse-moi. Non, je voulais juste dire que oui, le Sporting. Je pense que le Sporting ne s'est jamais caché.
j'ai pas l'impression dans le discours. Amorim n'a jamais dit oui, il joue le titre, mais il a jamais dit qu'il ne le joue pas non plus. Je pense que c'est, c'est son ambition. Enfin, c'est pas, il avait pas de Coupe d'Europe cette année. Enfin, ce sport, c'est pas parce que c'est pas parce que à la fin de saison tu vas pas forcément y arriver que tu dois pas essayer, que tu dois pas avoir le discours de se dire que t'es là pour avoir des ambitions et que tu dois, et que t'es le Sporting au Portugal et que tu dois jouer le titre tous les ans. Ça veut pas dire que tu vas y arriver forcément, parce que c'est pas du tout fait. Loin de là, quand t'as le FC Porto de Conceição derrière toi en train de te chasser, c'est pas la meilleure des positions, je trouve. Mais donc pour le Sporting, est-ce qu'ils vont jouer le titre? Bien évidemment, et je pense qu'ils ne s'en sont jamais vraiment cachés, que le minimum syndical pour eux, je pense que ce sera quand même la Ligue des Champions vis-à-vis des investissements qu'ils ont fait, et on en parlera tout à l'heure. Et pour le FC Porto, ça peut se jouer un peu dans les prochaines semaines, c'est-à-dire que tu vas quand même à Braga dimanche prochain, et ça c'est un match aussi important, je pense, dans ta course pour le titre, et tu reçois le Sporting peu de temps après, il me semble, 2-3 journées après. Peut-être même deux seulement journées après, donc ça peut se jouer là, et c'est peut-être le match qui serait très important. C'est-à-dire qu'imaginons que les équipes elles ont toujours cet écart de 4 points avant ce classico. Si Porto gagne ce match au Dragão et ne serait qu'à 1 point du Sporting, j'ai l'impression que ça fera un peu comme la saison dernière avec le classico entre Benfica et Porto, où c'était le match où Benfica est revenu, où Porto est revenu à 1 point de Benfica, et au final après tu savais quasiment que Porto allait chercher ce titre parce que la dynamique était là. Donc pour Porto, je trouve que ce sera dans les semaines à venir très, très, très important vis-à-vis des deux confrontations directes qu'ils ont dans quelques jours. Et Sporting qui s'est bien renforcé justement pour aller chercher ce titre-là avec du coup l'arrivée de Paulinho. Donc on va du coup parler de ce transfert qui a agité un peu tout le football portugais, parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas beaucoup à ce transfert-là, hein, jusqu'au dernier jour. Enfin, jusqu'au dernier jour, c'était pour nous et surtout pour toi, Mathieu, un transfert qui semblait invraisemblable. Et du coup, bah, voilà, Paulinho qui est quand même parti au Sporting le dernier jour pour un montant de 16 millions, plus du coup, Sporting a racheté Borja 3 millions. Et ensuite, il y a différentes clauses dans ce transfert qui étaient un peu compliquées. Donc moi, ma première question, c'est que va-t-il apporter du coup au Sporting, les garçons ? Et ensuite, une question plus pour toi, Mathieu, forcément, quelles seront les conséquences pour Braga, surtout au niveau du style de jeu ? Est-ce que ça va vraiment modifier tout le modèle de jeu de Carvalho ? Peut-être pas, mais forcément, il va y avoir des corrections à faire. Moi, j'étais plus sur la deuxième partie de la question, donc je ne sais pas si les garçons devraient répondre avant. Bon, la première question est sur que va-t-il apporter au Sporting. Les garçons, je pense qu'on est tous d'accord qu'il va passer déjà peut-être plus de buts, parce que c'est vrai qu'il manquait vraiment une référence devant, hein, et aussi qu'il va leur faire du bien pour tout ce qui est conservation du ballon dans le jeu de ça. Et ouais, du coup, conservation. C'est une équipe qui cherchait beaucoup la profondeur avec un Thiago Thomas ou un Sporar qui sont plus des joueurs de profondeur. Là, avec Paulinho, tu peux clairement jouer dans la verticalité et avoir un support devant, avoir une référence devant qui va conserver les ballons, et ensuite trouver des appuis remises pour chercher le troisième même. Enfin voilà, c'est ce qu'on avait vu. Il sera très bon dans ça, parce que hier, sur notre match, tu voyais beaucoup de fois où on aurait pu nous causer beaucoup de mal s'il y avait eu ce profil-là. C'est ça. En appui remise, sincèrement, on aurait pu être mangé tellement de fois sur ce style de jeu. Donc je pense que ça va faire beaucoup de bien. Darwin n'a pas réussi à le faire, du coup. Non, on n'a pas réussi à le faire, mais Paulinho sait très bien le faire. C'est un joueur impressionnant à ce niveau-là, et je pense que face au but, ça va être aussi une référence. Donc moi je prévois du lourd. Je pense pas que ça va être un flop, loin de là. Je pense que ça va être une très 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 grosse recrue du côté du Sporting. Donc bravo, j'aurais aimé l'avoir chez nous en tout cas. Bah, comme dit Amorim, hein, c'est le meilleur neuf du championnat portugais, donc forcément c'est une grosse recrue. On a une question de la part du coup de notre auditeur du Sporting. Vous pensez qu'on verra plus souvent un 3-4-2-1 avec un duo Thiago Thomas Paulinho soutenu par Poté? Personnellement, je pense pas. Hein. Je pense que ça va rester dans ce 3-4-3 avec Nuno Santos à gauche, Poté à droite et Paulinho dans l'axe. Et vous, les garçons, vous en pensez? Je suis pas totalement sûr de ça, Alex. Moi, j'ai des souvenirs d'une équipe B de Braga entraînée par Ruben Amorim, qui avait Gonçalo Gregorio qui joue un peu ce profil de Paulinho en 9. Enfin, de joueurs d'appui entre guillemets, référence dos au but, un Kiki, oui il s'appelle comme ça, qui était plus dans la profondeur, et un Eduardo Chourleux qui était un peu plus ce 10. Donc c'est vrai que ça ressemble souvent à un 3-4-3, mais les profils des joueurs peuvent laisser penser à un 3-4-1-2. Je pense que ça dépendra des matchs, et c'est aussi ça que t'apporte à Poligno,
c'est cette capacité d'au but, hein. Enfin, cette capacité dans le jeu, cette capacité à faire ses appuis soutien, cette capacité à lancer parfois aussi ses joueurs en profondeur, à être entre les lignes. Enfin, reprenez le match de l'Alvalade entre Braga et Porto, entre Braga et le Sporting, et regardez le match de Paulinho et regardez ce qu'il va apporter au Sporting, parce que c'est pas exactement les mêmes modèles de jeu, bien sûr, parce que les coachs sont différents, mais c'est les mêmes idées. Donc dans ce système-là, donc oui, il va apporter, bien sûr qu'il a le profil du joueur par rapport aux idées de Ruben Amorim, par rapport à ce qu'il a montré avec Ruben Amorim avec le Sporting, par rapport à ce qu'il a avec Braga et ce qu'il va montrer avec Carvalho du côté de Braga. Bon bah qu'est-ce que c'est un transfert entre guillemets pour moi court-termiste, parce qu'il a quand même déjà 28 ans et qui va quand même clairement volonté d'aller chercher le titre. Et ça, parce que pour moi le Sporting n'avait pas besoin de Paulinho pour aller chercher les deux premières places vu qu'ils ont déjà 9 points d'avance sans Paulinho. Par contre, tu fais un investissement là assez important pour aller chercher le titre. Si tu ne vas pas gagner le titre à la fin, eh ben, je trouve que même pour l'année prochaine, c'est quand même un investissement assez risqué. On verra, mais c'est un investissement quand même très très lourd de la part d'un club portugais dans cette période de Covid. Oui, c'est clair, parce qu'on entend souvent là, du coup, sur les réseaux, oui, 13 millions pour 70% des droits pour un joueur de 28 ans, c'est beaucoup, nanani, nanana. Oui, peut-être, mais c'est vrai que c'est un transfert qui est fait pour ces 6 mois, voire un an, c'est pour gagner le titre. Un titre que tu n'as plus gagné depuis une vingtaine d'années. Du coup, je pense que oui, le montant, il fallait le mettre, et c'est vraiment le joueur, la chaîne manquante, qui manquait à cette équipe-là. Donc, franchement, je ne voyais pas meilleur transfert pour cette équipe-là. Et ensuite, pour ma deuxième question, Mathieu, bah, du coup, ouais, quelles seront les conséquences forcément pour ton club, parce que tu perds quand même là un très gros joueur, et du coup, au niveau de ton modèle de jeu, est-ce que ça modifie un peu tout, parce que tu récupères un sport rare, certes, mais qui n'est pas du tout le même profil que Paulinho. Bien sûr, donc, enfin, désolé, j'ai peut-être à parler un peu beaucoup encore. mais voilà, il y a un problème, il y a le problème du Paulinho qui part trop tard pour le remplacer, que ça soit ça aurait pu être dans un autre club, c'est pas hyper grave, mais le fait qu'il parte à 30 minutes de la fin du mercato, enfin c'est ce côté, c'est que déjà tu peux pas trouver un remplaçant pour lui côté Braga, donc t'es obligé de prendre un joueur du Sporting. Enfin voilà, Sporar est identifié depuis pas mal de temps du côté de Braga, et ça je suis d'accord, mais ça reste un joueur qui n'a pas du même rendement, qui a eu du mal à s'imposer dans le modèle de jeu d'Amorim. On a dit qu'il était similaire par rapport à celui de Carvalhal, pas égal, c'est pas la même chose, mais c'était similaire. T'as besoin d'un 9 pour la fin de saison, est-ce que forcément tu perds en qualité, même si Sport est un bon joueur, et on en a parlé il y a quelques semaines encore de ce qu'il pouvait apporter au Sporting, quand même c'est une capacité de finition que les autres joueurs du Sporting n'ont pas en termes de 9. Donc voilà, donc il y a ce côté-là, il y a le côté donc que t'es obligé de prendre deux joueurs qui... Enfin, t'avais besoin d'un 9 pour remplacer Poyo et t'avais besoin d'un joueur à gauche parce que t'as plus Moura et que tu voulais absolument chercher un joueur à gauche. Bon, t'as pris Christian Borja, magnifique, super transfert. Il faut savoir quand même que 33 millions d'euros, c'était le plus gros transfert de l'histoire du club il y a pas longtemps. C'est vrai qu'Abel Ruiz a dépassé ce transfert, et donc d'un coup, les 3 millions d'euros, c'est pas rien, et pour un joueur aussi moyen, désolé, mais maintenant s'il nous appartient, et je donne toujours la chance à nos joueurs, vous le savez, mais bon, je trouve que c'est quand même un transfert en termes de négociation très moyen. Et oui, t'as raison, Alex, c'est en termes de modèle de jeu, tu perds. C'est ça le truc, c'est que franchement, au niveau politique, Braga n'arrivera pas à concourir avec les grands. Au niveau des instances, Braga n'y arrivera jamais. Au niveau financier, la preuve, Braga ne peut pas. Même face au club qui, il y a quelques années, était le plus, excusez-moi de l'expression, dans la merde financièrement, arrive aujourd'hui à dépenser 10 millions d'euros pour un coach, 13 millions d'euros, 13-16 millions d'euros pour un truc. Donc Braga peut pas, il n'y a pas de compétition par rapport à ça, il n'y en a pas vraiment. Au niveau de la communication, il n'y en a pas non plus. Désolé, nous, on n'a pas un journal qui fait notre propagande, surtout tous les matins dans les régions portugaises. Braga arrive, c'est à concurrencer les grands sur le terrain. Et ça, c'est évident depuis un an et demi, voire deux ans bientôt. C'est ce côté que sur les 11 derniers matchs, Braga a remporté 8 fois les grands, que ce soit 2 fois Porto, 2 fois Sporting, 3 fois Benfica. Donc ça c'est 3 fois Porto, pardon. Braga arrive à... C'est la valeur de notre club aujourd'hui, c'est nos entraîneurs, j'ai pas que Carvalho, nos entraîneurs, notre qualité de jeu, notre qualité technique, notre qualité tactique, que ce soit en U23, que ce soit en équipe B, que c'était dans les équipes de jeunes aujourd'hui. Et ça, tu l'as donné à un concurrent direct. Enfin, direct. Il était encore concurrent direct l'année dernière, le Sporting, il ne faut pas l'oublier. Donc, mais même ça, c'est le côté de vendre un joueur à un grand, et de vendre un joueur au Portugal. Et ça fait très très mal pour les supporters de Braga, et dont moi. Donc bien sûr, tactiquement, c'est notre valeur ajoutée. Et t'as un club qui a, comme on le dit, un modèle de jeu similaire, et qui le prend, et tu le donnes pas, parce qu'il y a bien sûr un retour financier, mais
c'est une négociation qui est très moyenne, je trouve. Sporar, bah super, la clause est à 7,5 millions d'euros, on a dépensé 8 millions d'euros pour Abel Ruiz, si on dépense 7,5 millions d'euros pour Sporar, j'y comprends absolument rien. Donc soit il est mauvais et bah, il reviendra au Sporting l'année prochaine et tant pis pour lui, soit il est bon et on débloquera pas la clause ou sûrement pas et on va le valoriser quand même pour le Sporting. Donc, on est devant, après, on... Mathieu, si le Sporting le vend, je crois que vous touchez 15% du transfert. Ouais, après, ouais, ouais, bon, ok, super, d'accord. C'est génial. Donc voilà, donc c'est ce que je, voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ce transfert là et là je parle sur le côté Salvador, c'est le côté que tu peux pas en année de centenaire faire ça, tu peux pas comment dire, tu peux pas dire aux supporters que le plus grand investissement de la saison c'est d'avoir conservé les cadres. Parce que c'est vrai, Braga, rien dépensé cette saison dans une année de centenaire où tu prends un super coach et tu sais que tu as 3 places qualificatives entre guillemets pour la Ligue des Champions. Et tu leur dis quoi? Tu leur dis mais nous, on en a le Covid, donc on n'investit pas pour les nouveaux joueurs, on n'investit pas fortement. Donc on prend beaucoup de joueurs qui ont coûté 0€ mais qui ont été très bien identifiés. On a parlé d'Amoussrati, on a parlé d'André Castro, d'Yuri Medeiros qui coûtera que 1,5 million d'euros. On en a parlé de tout ça. Mais tu peux pas leur dire en milieu de saison que tu vends Paulinho parce que tu as tout fait pour le garder, tu l'as prolongé son contrat il y a 3 mois. C'était ça la valeur ajoutée. L'investissement, il était là, il était dans la conservation des cadres. Ricard Horta, Paulinho, Galeno, tous ces joueurs-là. Mateus. Et oui, Alex. Te coupe vite fait là dans ton récit du coup. Mais moi, ce que je me suis posé après avec du recul, je me suis dit, est-ce qu'il ne vend pas Paulinho maintenant pour éviter de perdre cet été Paulinho et Ricardo Horta en même temps? Bah ça changerait quoi? Parce que ta saison elle est là et le but c'est d'essayer d'avoir cette Ligue des Champions, tu comprends? Et que là t'as beaucoup moins de chances d'y arriver sans Paulinho. Et bien sûr qu'il y a forte chance que Ricardo Horta parte l'été prochain, mais t'auras sûrement anticipé et l'investissement était fait pour cette saison. En fait, il y avait aucune raison pour moi de te dire bon, cette saison elle est déjà finie, autant récupérer les 15 millions qu'on est obligé d'avoir à la fin de la saison, parce que c'est vrai que Salvador a dit que cette année, l'année prochaine, il faudra vendre pour 15 millions d'euros pour être sûr financièrement, parce que cette année, avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir se projeter. Et ça, je le comprends. S'il avait dit ça, il aurait dit, si c'était arrivé l'été prochain. Mais le vendre à la fois au Sporting, le vendre maintenant dans une saison où tu es censé avoir des ambitions, c'est très dur. Et c'est très dur pour Carvalhal aussi, parce que en termes de communication, Carvalhal, il a quand même dit des choses très fortes. Il dit arrêtez le cirque, car Paulinho ne partira pas. Et il part. Enfin, tu te rends compte que j'aimerais pas être Carvalhal actuellement, parce que je lui dis mais on m'a pris pour un con, quoi. Et c'est dur, ça doit être dur pour lui, et surtout que voilà, il a fait des éloges par rapport à Paulinho. C'est pour lui vraiment c'est une pièce maîtresse vraiment. Tu perds Ejgaï, j'aime bien Ejgaï, mais je m'en fous hein, comparé à Paulinho dans le jeu, dans ce qu'il est capable de produire, c'est d'un tout autre niveau. Donc voilà, Braga perdu quelque chose de voilà, c'est d'avoir, ouais, j'y donnais parce que j'ai l'impression de le faire comme ça, parce que je trouve qu'en plus la négociation elle est pourrie pour nous, elle est pourrie. Donc par rapport à un joueur qui voilà, c'est 70% 16 millions d'euros, mais pour prendre Borja à 3 millions d'euros, enfin je l'ai entre la gorge vraiment. Pour moi il n'est pas meilleur que Sequeira, il n'est pas meilleur que Raul Silva actuellement, il n'est pas meilleur que Galeno, enfin, il est meilleur que personne, et il y a des joueurs en équipe B qui arriveront à être meilleurs que Borja dans les 1 an. Donc voilà, c'est 3 millions d'euros pour un contrat de 4,5, c'est une énorme tarte dans ma gueule, je suis désolé. Donc voilà, je suis stupéfait par le comportement de Poigno aussi. On parlera d'argent, on parlera de salaire, on parlera de forcer son départ, alors que je suis désolé, ce club t'a donné beaucoup plus que ce que tu lui as rendu, je suis désolé. T'as gagné qu'un titre avec Braga, il y a des clubs, Mateus a gagné 2 titres avec Braga, il a jamais fait ce cirque pour partir, et il a eu des propositions aussi. Donc forcer son départ à un moment aussi charnière de la saison, quand tu craches sur les hommes qui t'ont donné des opportunités comme ça, je trouve que c'est moche, mais ça rappelle aussi ce qui s'était passé avec Amorim l'année dernière. Et voilà, et par rapport au Sporting, j'ai envie de quand même de dire que M. Valandes, ça traite un travail extraordinaire quand même depuis 1 an et demi. L'homme qui a quand même pris Bolasier et Ressé Rodriguez au dernier jour du mercato, qui ne voulait pas de Paline cette saison, et qui a essayé aussi, qui avait 4 coachs l'année dernière, 3 licenciements, et qui a fait confiance à Leonel Pontes, qu'on me dise aujourd'hui que c'est un grand dirigeant du football portugais, j'ai quand même beaucoup de mal. Donc voilà, je pense qu'il faut pondérer tout ça. Il fait du bon travail. Il a réussi à investir dans les bons choix. Il a eu un peu de chance parce qu'investir 10 millions d'euros sur un coach comme ça, bon, il a pris un risque parce que pour moi, il n'était pas au courant de tout ce qu'il était capable de faire. Donc voilà, il y a pas mal de choses. C'est ce que j'avais à dire. Et je le répète, si le Sporting n'est pas champion avec un investissement pareil en milieu de saison, bah, ce sera encore une fois un très bon travail de M. Valange, est-ce qu'on me dira? On a beaucoup de réactions sur le chat. La maison de Salvador a été vandalisée. Oui, en effet, je pense que les supporters de Braga ont mal pris cette décision. Et promis, Mathieu n'a rien à voir là-dedans. Non, j'ai pas eu le temps de faire l'aller-retour aussi vite. J'avais des choses aussi à faire aujourd'hui. Mais non, après, ça, c'est contestable. Mais voilà, il y a aussi le côté que
il nous doit une explication. Il nous donne une explication. Il y a la newsletter du club chaque semaine en lui disant le premier paragraphe, c'est on ne manque pas d'ambition. Deuxième paragraphe, mais on a vendu Poligno quand même. Enfin, non, il faut une conférence de presse, il faut une interview. Aujourd'hui, le club a beaucoup de moyens pour pouvoir parler. Donc, parlons. Il y a des élections qui arrivent. Je le répète, il n'a pas que des soutiens à Braga. C'est clair, faut le dire. Même s'il y en a beaucoup qui sont très véhéments à des certaines périodes où il ne fallait pas l'être, il n'y avait aucune raison de l'être, et c'était plus de la jalousie, je trouve, qu'autre chose. Mais moi je fais partie d'un de ses plus grands défenseurs parce que je vois ce qu'il a fait depuis ces dernières saisons. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, hein, loin de là, et qu'il ne doit pas être réélu parce qu'il ne faut pas non plus jusque-là, je trouve. Mais c'est quand même un sacré coup de massue. La réaction de certains supporters est quand même sacrément bête, et ça, c'est théorème au Portugal, je trouve. Mais voilà, c'est le plus, c'est de le vendre au Sporting, qui nous a quand même manqué de respect pendant un an avec la vente de Ruben Amorim l'année dernière, quand même. C'est clair. On a aussi d'autres réactions. Abel Ruiz aura du temps de jeu. J'espère qu'il montera en puissance et qu'il ne fera bien ce transfert honteux. S'il serait parti en Angleterre, ça m'aurait bien moins affecté, forcément. Après, on nous dit aussi que forcément, Paulinho voulait partir et que donc il est utile de garder un joueur qui veut partir, et qu'il faut aussi prendre la volonté, il faut prendre en compte la volonté du joueur. Ça, c'est vrai que si vous voulez partir, malheureusement... Ouais, Alex, mais je ne veux pas te cacher qu'il y a 1 euro à la fin de la saison. C'est sûr. Ah oui, ça c'est... Donc, je ne suis pas certain que si on l'avait obligé à rester, il aurait été mauvais dans ses performances, il aurait boudé, il n'aurait pas voulu jouer. Tu vois, je ne suis pas certain. Pour moi, il y avait 1 euro à la fin de la saison, et Poligny aurait continué à être performant, et il avait un contrat, et voilà. C'est quand même quelque chose qui a été beaucoup répété, le côté il a demandé à partir. C'est pas la même chose. Ce que certaines personnes ne savent pas aussi, c'est le côté que, en réalité, Amorim n'aurait pu rester à Braga. Parce que, étant donné que la clause libératoire a été payée en 2 fois, il a pas vraiment, le Sporting a dépensé autant d'argent que la clause le désignait, mais n'a pas débloqué réellement la clause. En réalité, Salvador aurait pu dire non à Amorim. Sauf qu'Amorim a dit qu'il ne voulait plus rester et qu'il voulait signer au Sporting. Et c'est pour moi beaucoup plus difficile quand un entraîneur te dit qu'il ne croit plus au projet et qu'il veut aller voir autre part pour construire quelque chose de grand après, qu'un joueur qui fait partie d'un des 26 autres joueurs, même s'il a une importance plus grande que d'autres. Donc pour moi, le côté de certains supporters qui se sont indignés sur le côté il aurait peut-être pu garder Amorim, je le dis que non, pour moi il n'aurait pas pu garder Amorim. Est-ce qu'il aurait pu garder Poligno? Oui, et en plus il avait l'objet euro qui aurait fait qu'il aurait conservé Poligno et que Poligno aurait été tout aussi performant pour la suite de la saison. Je te rejoins totalement dans tes propos. Les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce transfert-là, sur le transfert de ce mercato portuel, où on peut passer du coup au suivant? Non, je pense que c'est surtout, je pense pas qu'il aurait pu le retenir. Je suis un peu d'accord avec Mathieu, mais je pense que Poligno a fait l'ingrat et je pense qu'il voulait partir absolument et vouloir retrouver Amorim pour vouloir gagner un titre. Je pense que c'était vraiment sa volonté. Je pense que même si tu veux essayer de le résoudre à rester, je pense que dans sa tête c'était fini, il voulait partir, quoi. Je pense que ça aurait été compliqué de le garder, je pense. Ouais, quand même, ça reste une offre quand même. Surtout, c'est une offre raisonnable, mais moi ce qui me dérange le plus, c'est que comment tu peux négocier avec un club qui n'a toujours pas payé Amorim? Donc, ils sont en train de payer en réalité, tu vois. Le truc, c'est que maintenant ils payent avec un échéancier comme s'ils avaient fait un transfert normal, alors que le but c'était de payer la clause, tu vois. Donc c'est ça qui est. Donc bien sûr. Mais ça aurait été, oui, beaucoup moins choquant que s'il était parti en Angleterre, je sais pas moi, où vous voulez, en Angleterre, même en D2, bon, fou, actuellement. Ça aurait été beaucoup moins choquant. Allez, prends ton salaire, va-t'en, ok. Allez, tu veux partir, on ne te retient pas, mais le vendre en plus au Sporting, ça plus le transfert tardif, plus prendre 2 joueurs du Sporting, c'est-à-dire que tu prends pas les joueurs que tu avais peut-être identifiés. Je pense à un Douglas Tank du côté de Passos, qui aurait été un choix peut-être pas forcément petit, je pense un meilleur choix, j'aurais préféré vraiment. Je pense que c'est un joueur qui était beaucoup plus adapté, au moins sur le court terme, à faire de bonnes choses du côté de Braga aussi. Mais ouais, tu peux pas faire ça, plus le côté Sporting, c'est bien sûr, c'est pour les supporters de Braga, ça fait très mal. Et le pire, c'est que tu fais ça quand même en année d'élection, c'est difficile de compréhension. Ouais, et on a eu aussi deux transferts quand même. Moi je voulais juste dire que je pouvais comprendre Poligno, le fait de pouvoir vivre à Lisbonne et de quitter la ville de Braga, ça doit vraiment être un soulagement. Donc totalement compréhensible à ce niveau-là. Vraiment. Non, plus sérieusement,
Je suis d'accord avec Mathieu dans le sens... Enfin, moi, c'est vraiment la partie où je crois qu'il y a un moment au début de Mercato, il te dit qu'il ne forcera pas le départ. Je crois que j'ai vu un truc comme ça, Nabord, où il te fait comprendre. Il l'a dit. Hein. Voilà. Et ça, c'est vraiment que tu... En fait, s'il ne l'avait pas dit et qu'il serait parti, c'est déjà autre chose. Mais le fait de... En fait, on les oblige pas à mentir. On vous oblige pas à mentir à vos supporters, on vous oblige pas à avoir de belles paroles. Vos beaux discours, vous pouvez les garder si vous les pensez pas, c'est pas grave. On vous aimera pour ce que vous produisez sur le terrain et basta. Le problème, c'est que quand tu accordes un certain attachement, quand tu as porté le brassard de capitaine de Braga, etc., forcément, tu as un impact sur les plus fidèles supporters et du coup, tes paroles ont un sens. Et le fait de ne pas les respecter, ça remet en valeur le joueur et l'homme, tout simplement. Et ça vaut pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour la direction. Et c'est malheureux que ça arrive à Braga parce que pour moi, c'est le club qui travaille le mieux au Portugal depuis déjà quelques bonnes années. Donc, ça m'attriste pour Mathieu. Maintenant, écoute, je pense que le mariage va bien marcher, malheureusement. Donc, pour nous, hein, pour nous tous. Enfin, vu qu'il n'y a pas de supporter de Sporting, à part Alex Pecton, 78. mais je pense, après, voilà, peut-être que je me trompe, je pense que Sporar pourrait être pratique pour Braga. Après, bien sûr que ce n'est pas Paulinho, et je pense qu'il pourra faire le travail. Ce n'est pas non plus un attaquant horrible. Non, loin de là. Mais ce n'est pas Seferovic. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est le côté qu'en plus qu'il est que prêté et que la clause elle est quand même sacrément élevée. Donc, élevée, oui. Voilà, donc. Enfin, pour Braga. Et il y a Abel Ruiz, bien sûr, t'as raison, j'ai oublié de le mentionner. Le but maintenant, le but ça a toujours été de préparer un peu Abel Ruiz à cette échéance. Et voilà, je pense qu'il n'est pas totalement prêt. Mais d'un côté, il a montré de belles choses ces dernières semaines. Tu sens que techniquement, il est vraiment évolué et que c'est un joueur qui peut faire, qui a encore des axes de progression et que s'il progresse vraiment dans tout ça avec un coach comme Carvalho, les futurs coachs qu'il aura, je pense, à Braga plus tard, s'il reste assez longtemps, c'est un joueur qui va progresser, c'est un joueur qui a tout pour être 2, 3, 4 fois meilleur que Paulinho, bien sûr. Mais il a que 21 ans. Mais voilà, tu mets un autre joueur dans les pattes et je peux pas comprendre que tu valorises un autre joueur du Sporting pour possiblement ne pas débloquer la clause après. Donc voilà, j'espère maintenant, il y a quand même pas mal de poids qui repose sur les épaules d'Abel Ruiz, mais il a demandé aussi ce temps de jeu, espérant qu'il l'ait vraiment et que Sporar ne passe pas devant lui. Et voilà, mais c'est un garçon qui fait pas un super match hier, mais c'est le match qui était un peu compliqué et résolu quand même très rapidement, mais qui fait quand même ces dernières semaines des très très bonnes performances, surtout aussi au niveau du jeu, plus que dans les buts, même s'il en marque quelques-uns, notamment en Coupe du Portugal. Sur le chat, on nous dit que Mathieu devrait se présenter pour les élections. Mathieu, non, j'ai dit ça aujourd'hui aussi sur le groupe. Ouais, non, quand même pas. Mais le truc, c'est qu'on est bien là. Il n'y a pas vraiment d'autres candidats. J'espère avoir aussi un peu de temps de parole à l'époque, les semaines à venir, comme Dani avec les élections de Béfica. Parce que voilà, il y a un autre candidat qui s'appelle Antonio Peixoto, qui est de nommé Pli, qui est un ancien gardien du futsal et encore hier, hein, il a utilisé cette opportunité avec le transfert de Pogno pour continuer à parler, mais c'est quelqu'un qui a une vision très très années 90-2000 du Sporting Club de Braga, qui est pas du tout fait pour moi du côté du football moderne et qui son seul programme est de démonter Salvador. Donc Salvador a des défauts, a eu des mauvais choix et il en a encore hier, je pense, mais c'est pas un mauvais choix, je sais pas, mais en tout cas, des décisions qui sont difficiles de compréhension. Mais voilà, il n'y a pas d'autres candidats à part Salvador au final pour continuer à mener ce projet à bien. Dany, ton daron, il se présente pas? Il va m'enculer. Il me répond pas, regarde. Si, non, mais si, c'était dans les plans. Malheureusement, le tien qui gère Braga avec le 11e étage lui est passé sous le nez, donc ce n'est pas possible. Mais oui, sinon, c'était dans les plans. Bref, concernant le mercato, il y a quand même d'autres arrivées, avec notamment l'arrivée de. J'ai un fou rire. Bon, Matteo Tresse du côté de Sporting, c'est João Pereira qui est arrivé en grande surprise du côté de Sporting. Et donc voilà, j'avais un mot sur ça d'ailleurs, parce qu'en fait, il y en a sur Twitter qui se sont amusés à ressortir un passage d'une interview d'Amoling. Et le plus drôle, c'est que cette interview-là, je me l'étais faite en fait le matin même. C'était sur un podcast en fait par un acteur, etc., j'ai oublié, mais en gros là, il y a une sorte de podcast et ça a été réalisé il y a un petit moment. C'était la phase où Amorim venait de prendre sa retraite
émission où il dit tout son tout le béfiquisme qu'il a, etc. Et donc là, ouais, il évoque Jean Pereira en expliquant que il le côtoie en dehors du terrain, c'est un kissman qui le kiffe, mais que sur un terrain, c'est limite le roi des connards, pour ainsi dire. Et le fait qu'il ait le cherché, pour moi, c'est un recrutement aussi intelligent. C'est-à-dire que tu sais que le poste est pour Porro. Tu sais que, bon, sauf grosse contrainte, ça sera lui titulaire. Tu sais que Jean Pereira rendait des très bons services à Trabzonspor, même si j'avais vu qu'il avait perdu sa place. Au bout d'un moment, mais il était capitaine là-bas, il était très apprécié. Et tu sais que c'est un mec qui connaît la maison, qui a l'esprit qu'il faut. Et il te faut des joueurs comme ça pour moi dans un vestiaire, plus, c'est très important. Il prend les jeunes à la fin de saison. Hein. En plus, il donne ce poste-là. À la fin, ah, ça je ne savais pas, mais tu vois, sur les 6 mois, tu vois, c'est limite histoire de dire ok, c'est la course au titre. Maintenant, il y a aussi lui dans le vestiaire pour peut-être dans les derniers moments du championnat. Tu vois, ça te cadre tout. C'est pour moi essentiel aussi d'avoir des joueurs comme ça dans cet effectif qui, pour moi, savent qu'ils viennent pas sur du long terme, ils savent combien de temps ils viennent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils auraient très bien pu le faire aussi également avec Beto qui est parti à l'échange. Il n'aurait pas été, je pense, dépaysé au Sporting. Je pense que ça aurait pu être aussi un très bon recrutement, mais bon, je pense qu'il n'a pas eu la provision qu'il attendait. Et je trouve que c'est un recrutement très intelligent, pour ma part. Ouais. Moi, je trouve que le recrutement de Matheus Rey est encore plus intelligent. Ils nous ont refilé Borja et ils ont récupéré Matheus Reis. J'ai le seum, donc j'ai vraiment le seum. Parce que Matheus Reis, en plus, il est entre guillemets formé par Carvalhal la semaine dernière, qui connaît exactement le modèle. Enfin, il peut jouer central gauche, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer piston gauche. Donc c'est un super joueur pour le modèle de d'Amorim, similaire à celui de Carvalhal. Donc les joueurs, à peu près les joueurs se ressemblent, hein, pas se le cacher. Donc c'est normal et nous, on a récupéré Borja, j'ai le seum. Et sur Jean Pereira, dire que franchement, si Jean Pereira il arrive juste l'année dernière, qu'est-ce qu'il aurait pris dans la tronche Valindage quand même, ça passe vite et c'est de se dire que généralement quand tu as un contexte qui est favorable, bah, tu peux limite recruter tout ce que tu veux, bah, d'un coup ça passe tranquillement. Jean Pereira, c'est pour la grinta, c'est tout truc. Pourquoi, je t'avoue que j'ai un bug, il était là De quoi? Il était là, Jean Pereira, pourquoi ça serait un scandale? Enfin, non, je te dis, s'il arrive l'année dernière, imaginons, Amorim n'était pas là, il y avait Silas. T'étais dans la période où tu recrutais des Ilori, c'était un peu avant, tu vois, mais t'as l'impression que tu recrutais un peu tout le monde, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais je pense pas qu'il l'aurait recruté, tu vois. Bah, je sais pas, l'année dernière, ça aurait pas été. J'aurais pas vu l'intérêt. Là, je vois l'intérêt parce que tu sens que c'est un choix demandé par l'entraîneur. Il est libre de contrat. C'est un transfert limite gratos. Sans salaire, ça doit pas te bouffer des masses. Oui. Je pense que c'est une demande d'un Moline. Ah oui, je te dis pas le contraire. Je te dis que la réaction des supporters il y a un an, si Jean Pereira arrive il y a un an, elle n'est pas la même que Jean Pereira qui arrive aujourd'hui. Ah, parce que voilà, t'as un contexte. Après, je pense que le supporter doit avoir du recul et doit se dire. Aujourd'hui, il aurait eu du recul. L'année dernière, quand tu es à 15 points de la première place et que tu recrutes Jean Pereira qui revient pour sa 4e fois au côté du Sporting, enfin 3e fois du côté du Sporting, c'est pas la même chose. Donc c'est juste reparler du travail d'Amorim sur le fait qu'il crée un contexte et qu'aujourd'hui, s'il prend un joueur, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est sûrement je vais juste observer un truc, c'est que pour moi le club travaille bien, mais la tête pensante c'est Amorim. Le jour où ce monsieur part, ça va être très compliqué pour ce club, parce que je vois pas qui va valoriser les joueurs, je vois pas qui aurait le culot d'aller chercher un latéral gauche en moins de 23 qui a 16 ans, 17 ans à ce moment là et de le caler titulaire à gauche et de performer comme il l'a fait hier, etc., ou tout le long de la saison, qui pour moi mérite d'aller en sélection, hein, on se le dit, hein, je vois pas pourquoi il irait pas en sélection, même si Mauri est défendu, je pense, par Alex, enfin, je sais que tu l'aimes bien, enfin, c'est pas non plus un grand amant, mais s'il y va, c'est pas un scandale. Mais tu vois, je vois pas qui, enfin, il doit en avoir, hein, mais en tout cas, Mauri fait un travail énorme au Sporting, que ça soit au niveau de la com, au niveau du jeu, au niveau de tout, en fait, de tout, il a apporté une mentalité qu'il y avait pas là-bas. C'est limite un cas d'étude plus que footballistique, Robin Amorim aujourd'hui. C'est un cas d'étude au niveau de la gestion, du management, du travail mental et tout. Il y a beaucoup de choses il faudrait être une petite souris pour voir tout ce qu'il fait. On apprendrait beaucoup de choses pour devenir un meilleur coach qui se limiterait pas juste seulement au jeu. Et ça, c'est surtout. Parce que et c'est pour ça que ça fait 10 mois que j'ai absolument le seum, hein, je le répète. Hein. Voilà. Je tiens à dire que c'est bien. Non, mais c'est bien parce que Valindage, au final, a dépensé des millions invisibles, je le répète, pour récupérer la compétence dès qu'il y avait dans un autre club dans le nord du Portugal. Et João Pereira, je tenais à dire qu'il a quand même plus de compétition internationale encore à l'heure au doc actuel que João Cancelo. Je tenais à le dire. Il faut le rappeler. Ça va changer d'ici quelques temps. Après, il y avait
Après, il y avait la. Je pense que c'est pas tout de Amorim, parce que par exemple, en Pedro Porro, je pense que c'est la cellule de recrutement qui lui a conseillé. Oui. Non, mais le cadre, le jeu, Porro, ça lui est propice, tu vois. Aujourd'hui, Porro, ça lui est totalement propice. Je pense pas que l'année dernière en Espagne, je pense pas qu'il faisait peut-être les mêmes perfs, tu vois. On savait qu'il avait quelque chose, mais cette année, il explose. Cette année, s'il y a un club type Dortmund qui va et qui regarde les matchs du Sporting, il se dit, bah là, il y a quelque chose à aller gratter, en fait. S'il lève l'option, derrière, on va le prendre. Enfin, je sais pas, mais quand tu vois ce mec-là, ce poste-là, tu te dis, ouais, c'est identifié, tu vois. C'est ce qu'on veut. Mais je pense que la cellule de recrutement, elle te dit, il y a aussi l'entraîneur qui vient te voir et qui te dit, bah écoute, moi, il me faut ça, ça, ça. Donc, trouve-moi des profils. Je pense que Amorim a étudié, t'as dit, ouais, ça, je peux en faire quelque chose. Tu vois. Il t'a pas dit, Todibo là, ouais, vas-y, prends, on verra ce qu'on fait pendant 6 mois. Bien sûr. Il y a une différence déjà. Après, sur la cellule. Vas-y, Alex, vas-y. Pedro Porro a performé en piston. L'année dernière, il est parti à Valladolid, je crois, et c'était dans une défense à 4. Et tout ah, voilà, Valladolid, c'était ça, Paris, putain, j'avais vu. Ouais, je voulais t'en parler en plus. Et là où il a été bon à Amorim, c'est qu'il du coup, a identifié les profils. Par exemple, on peut prendre le Claude Fedal, hein. Il a dit, bah, écoute, moi je veux un gaucher âgé, grande taille, un peu pour remplacer Mathieu, et là, du coup la cellule de recrutement a été excellente parce qu'ils ont trouvé Fedal. Et pareil pour Porro, dont Amorim a imposé son style, écoute, je veux un piston qui va de l'avant, puissant, qui centre bien, et du coup notre Porro, mais comme l'a très bien dit Mathieu, du coup si Dani, c'est des profils qui ont été bien identifiés par Amorim, et ensuite la cellule de recrutement qui a trouvé les bons joueurs, et pas un recrutement qui est fait au hasard comme peut être fait par Porto ou Benfica, clairement. Même Nuno Santos, hein. Là on avait du mal à l'imaginer dans ce système, en tout cas dans la manière de l'utiliser. Bah, je suis d'accord. Après, Nuno Santos, c'est pas encore une réussite de fou furieux. C'est pas la réussite de Pedro Porro. Mais Mathieu, par rapport au discours qu'on entendait, il était incapable de performer dans un des trois grands. C'était trop compliqué. Oui, ça, c'est. Côté de Braga. Alors, les paroles de Carvajal, c'était le côté que Nuno Santos aurait eu du mal à performer en poste d'intérieur. Parce que, étant donné que le poste de piston est utilisé par Nuno Mendes, et c'est à ce poste-là qu'il a performé les dernières à Rio, hein, c'est pas en intérieur. Et qu'aujourd'hui, il performe plutôt pas mal. C'est pas encore, tu veux, c'est pas niveau loin d'un Ricardo Horta côté de Braga. Hein. J'ai envie de dire, même des années-lumière encore. Non, donc, non, je suis d'accord avec toi. Loin de là. Je suis d'accord avec toi. Il apporte quelque chose, mais c'est pas encore. Je pense que tu peux trouver mieux que Nuno Santos pour l'année prochaine, par exemple, si tu vas en Ligue des Champions, surtout. Mais à cette image-là, tu as aussi Pote qui, au niveau des stats, est incroyable, mais qui, dans le jeu, peut-être était déjà beaucoup plus intéressant à Famalicão que Léo Sporting. C'est vrai aussi. Dans le jeu, tu vois. Mais qui, finalement, performe quand même. Là où il y a des clubs où les joueurs sont à leur poste, mais ça marche toujours pas. Non, je... Donc, le rendement de Nuno Santos, pour moi, je trouve que c'est enfin très bien. Dommage la calvitie qui arrive. Mais, c'est très bien, c'est mérité pour un mec qui a douillé pendant un long moment, et le foot qui devait au moins ça. C'est vrai aussi. Après, bon, c'est vrai que ça commence à faire long. Mais ouais, je suis d'accord sur le côté. Après, sur Amorim, il me semble que c'est un peu lui qui a poussé pour avoir une cellule de recrutement un peu plus compétente par rapport à ce qu'avait dit Kevin sur ce qu'il avait été proposé. Je pense qu'il a aussi essayé de changer un peu ce que j'ai entendu, hein, il faut que je vérifie, mais il me semble que sur la cellule de recrutement, il a essayé de pousser un peu au Govianna pour qu'il y ait vraiment un truc un peu plus compétent pour proposer des profils. Et c'est vraiment surtout ça le côté, c'est le côté de profil et de plus recruter forcément un joueur. En fait, le Sporting arrive à bien équilibrer à la fois, par exemple, le côté j'ai pas de nom en tête, je veux un profil au poste de piston droit, ils ont trouvé Porro. Le côté formation, par exemple, avec Nuno Mendes et Thiago Thomas, et le côté moi j'ai un joueur en tête extrêmement précis pour mon modèle, Paulinho par exemple. Et là aussi, tu fais, c'est vraiment un équilibre, c'est pas que seulement du profil, que de la recherche de joueurs spécifiquement comme Paulinho ou que de la formation. Il y a le côté aussi. Et le côté hispanophone, genre tu vas chercher deux joueurs qui jouent dans le championnat espagnol aussi, donc qui sont plus facilement adaptables dans le championnat portugais par rapport à la langue, etc. Ça aussi, c'était un point qui est dit par rapport au recrutement, par rapport à la communication, que c'est important pour Amorim qu'il ait des joueurs qui le comprennent au niveau de la langue, et que c'est pris très très au sérieux. Et sur le côté aussi que Porro, oui, c'est ça. C'est... Quand tu peux être un très bon joueur, mais si tu ne rencontres pas le très bon entraîneur dans ta carrière, tu peux parfois ne rien faire. On parle beaucoup, par exemple, de Miguel Crespo, là, actuellement, à côté de Estoril en D2. C'est un garçon qui a vraiment été bon, sans plus, en D2 pendant 3 ans, et qui, au bout de la 4e année, rencontre un bon entraîneur, et d'un coup, devient le meilleur joueur du championnat, quoi. Et limite, était envoyé à Braga et à Guimarães sur le dernier jour du mercato. Donc, c'est vraiment le côté entraîneur, parfois, change une carrière vraiment. Et Ruben Amorim est en train de changer quand même pas mal de carrière.
c'est clair, donc le modèle du Sporting prouve qu'il est importantissime d'avoir une très bonne relation entre le directeur sportif et l'entraîneur. Voilà, c'est surtout ça. C'est à l'importance que le directeur sportif soit tout à fait en accord avec l'entraîneur pour le projet du club. Les garçons, on va donc finir cette émission en élisant le portugais du week-end. On va faire un petit tour de table. Hein. Mathieu, est-ce que tu as un nom pour le joueur portugais du week-end? J'avoue, j'ai pas regardé beaucoup de football ce week-end. Ronaldo n'a pas mis un doublé là actuellement? On est mardi quand même, hein. Donc je ne sais pas. Non, j'avoue que j'ai pas regardé assez de football ce week-end, de football étranger ce week-end pour répondre à cette question. André Silva, parce que c'est le meilleur neuf portugais et que ce serait un scandale qu'il n'aille pas à l'Euro. Ouais. Bah, du coup, Ruben Dias. Ouais. Pour changer. Oui, je pense que je partirai aussi comme Kevin, sur un André Silva qui est quand même qui est très performant du coup en Espagne. Là, je crois que c'est combien? C'est 15 buts ou 16 buts hein, en Espagne, 15 buts. En Allemagne, pardon, avec Francfort. Donc voilà, c'est vrai qu'il fait une grosse saison. Il était déjà sur une excellente fin de saison la saison dernière. Et du coup, il est dans sa continuité. Et du coup, bah, tant mieux. Hein. Il a peut-être arrêté moins Instagram pour se consacrer au foot. Donc on espère que ça continuera ainsi pour lui. Voilà les garçons, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait 83 minutes d'émission, c'est pas mal. Il est 23h30, donc on va se quitter là-dessus. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Vous êtes encore nombreux sur le chat et en direct, donc c'est cool. Merci à vous. Merci de nous donner autant de force. Voilà, on a fait 2000 abonnés sur Twitter aujourd'hui, donc c'est cool. Et on espère que ça continuera. On vous réserve aussi quelques surprises dans les semaines qui vont arriver. J'espère que ça vous plaira, ça là aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker cette émission, à commenter, à vous abonner, bien évidemment, et à nous suivre sur tous les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.